Madame et messieurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous content de la Caroline pour des nouvelles ça pour vous, qu'a fait actualité. Dans le moment qui n'a pas allé à la maison, mais qu'est content la caille bandit, eh bien, Babo Manti, Gary Koney, pour une belle décision pour bandit dans le pays d'Haïti, eh bien, n'est-ce pas content en pile, n'est-ce pas joint ça, ou t'as cherché, eh bien, bien d'être en ouais. Et barbecue, t'as demandé si t'as parlé, eh bien, Gary Koney te dé refusé barbecue, eh bien, il pas de répondre barbecue, eh bien, cette fois-ci, et Gary Koney répond, et n'est-ce madame, et monsieur, eh bien, il m'a demandé pour tout, n'est-ce pas, remettre ça, eh bien, son bagage, n'est-ce pas, t'attends, parce que n'est-ce pas, père Kenya, n'est-ce pas, père affronter Kenya. Dans le cas, madame, et monsieur, nous pas connaît comment pep haïtien pour réagir, est-ce que n'est-ce pas, pour mal y faire dans le pays d'Haïti, pour moun y faire mal, est-ce que peuple a pas d'accord, et pour pardonner Nexao, et bien Nexao fait qu'on est, y a quitté bandit, mes amis. Nous pas le combien bandit qui remet des âmes, jeune et jeudi à la, madame et messieurs, ma coûte, nous charger couler bas, nous charger information pour vous. En dedans, cette vidéo, des formations, nous pourrons pour vous, jeune et jeudi à la, parce que va y vraiment compliqué dans le pays d'Haïti. Et bien, pile Nex décidé remettre bout de fait illégal qui n'a même eu la, madame et messieurs. Bagayou pas douze dit tout, madame et messieurs, et bien nous toujours là pour nous informer de tout ce qui a passé à travers le pays d'Haïti. Et bien, pas bon menti, dans le moment, barbecue a fêté en pile, barbecue content, barbecue c'est sale d'abchaché, barbecue c'est sale, et t'es besoin, madame et messieurs. Avant notre pifon de ceci, là, pas oublié, abonnez-vous pour qu'on fasse un like vidéo, pour partager, bah, plus moun, pour vidéo, ça, car arrivé jeune, plus moun, madame et messieurs. Eh bien, nous, ouais, iso, vila, dédié, là, elle finit de message, ça, livre, la gué, un petit bout de vidéo, sous page, li, et pour le montrer contentement, madame et messieurs, nous, pas le quitter, ouais, un petit bout de vidéo, n'en fait vidéo, pour, ouais, j'en ai eu content, y'a célébré, parce que, y'a eu, ouais, si y'a quitté bandit, eh bien, et même les remettre d'âme l'état pas fait rien, ils reconnaissent l'état et bien Nexao pour bien passer et Nexao a semblé a bien accès pour voyager et bien Nexao pour jouer l'argent que qu'on fait dans faire mon mal non bagaille illégal madame et monsieur et bien Nexao grand pile chance pour yo pardonner toute bagaille pour Nexao madame et monsieur bye avis pas dans espace commentaire est-ce que vous senti et ou ap gen kè pou pardonner Nexao parce que débousé ay c'est conséquence c'est ou pour ba opinion pas nan espace commentaire est-ce que ou gen pardonnable pour Nexao si Nexao ta décidé remettre zam tout bon eh bien est-ce que ou ap d'accord comme si pour Nexao ap sikile pour jeune Nexao te connait fait moun mal eh bien pour Nexao pour mal ou fait peuple haïtien craser prison craser business bloquer tout côté eh bien et fait petit peuple abi eh bien est-ce que ou ap d'accord pardonner Nexao. Bah, vie pour un espace commentaire. Eh bien, c'est des déclarations Gary Koney pour pardonner tout bandit dans le pays d'Haïti, t'as coup, Iso, la mosse joue, et, en pile l'autre nègre encore, t'as coup, vite l'homme, et, mano, tout nègre en général, eh bien, pardonnable pour tout Nexao, dans le moment qu'il n'a pas l'air là. Mes amis, nous parlons qui t'ont donné, nous parlons qui t'ont, ouais, ça qu'a passé dans le pays d'Haïti, là. Eh bien, nous faut qu'on ait, commissaire Miskaden, c'est un commissaire qui a fait un bon travail, et bien, pep, au cas, il a demandé, commissaire Miskaden, pour venir bah aussi pour arrêter, et commissaire Richemont, nous connaît, qui déjà révoqué pour mal, n'est que ça fait, et bien, peuple a trouvé, monsieur fait trop barré mal pour le pata pini, et bien, il a demandé pour monsieur pini, et bien, madame et monsieur, dans ce moment-là, m'a bon menti, il a lumière rouge sous tête, commissaire Richemont, parce que commissaire Miskaden décidé tout bon pour arrêter, commissaire Richemont, madame et monsieur. En tous les cas, nous pas connaît comment ça va le finir. En tous les cas, n'a pas suivi, n'importe quoi ça a n'a pas informé de tout ce qui a passé à travers le pays d'Haïti, n'est pas juste pour vous. Mes amis, c'est comme ça, information, nous toujours là pour nous informer de tout ce qui a passé à travers le pays d'Haïti. Nous parlons qui t'entendait, et ouais, madame et monsieur, parce que ce qui a passé là, les concerne tout haïtien en général. Madame et monsieur, bonne audition, t'as dit un coupon. En attendant de causer. Locataire primatien, qui c'est Gary Koney, monsieur Palais. Après qu'elle soit passée presque une semaine dans le pays États-Unis, elle t'a profité de faire un ensemble de réunions, un ensemble de rencontres. Selon PM Gary Koney, m'a cité et m'a répété, monsieur dit que gang yo gen un temps devant yo pour yo déposer zam, rendre tête yo ben la justice et reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire que c'est comme quoi m'a dit que Gary Koney m'a dit que joue barbecue compté. Joue organisation criminelle vivant ensemble compté.
Parce que monsieur dit clairement, l'État pas carité dans une éternité. Attendre nèg déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Li persister sur ça encore. Li dit clair, c'est première étape là. Que nèg yo déposer les armes et reconnaître autorité rendre tête bay la justice, reconnaître autorité de l'État. Mais l'État pas qu'à faire un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois attendre bandi armé. Et ça veut dire nèg yo ça li mandé pour faire que on fait rapide parce que avant longtemps l'étape qu'elle passer vitesse là l'étape qu'elle passer ça relé vitesse de croisière là l'étape qu'elle mettre en TGV train à grande vitesse et l'état pral vraiment comprendre que faut li agir et PM Gariconi monsieur Redi il répétait m'a cité l'État qui prend contrôle pays, hein? Caille en caille, quartier en quartier et ville en ville. Il persiste sur ça. Il persiste et il était derrière, il signe derrière. Comme d'habitude, il dit le signe derrière. Et je dis, hein? Est-ce que PM Gariconi, parce que je dis un peu, mon ami, PM, non, oui, ouais, c'est un qui vraiment éloquent, il a parlé, il vraiment comme ça l'a dit, hein, ouais, qui est posture premier ministre, dans le langage, li, ouais, c'est un grand intellectuel, son frère intellectuel, oui, c'est un technocrate, oui. Mais je dis, hein, pays, hein, société haïtienne, non, besoin d'action. Action dans mes conseils présidentiels, yo. Action nommé PM Gariconi, action nommé DG Ramon Normil, action nommé et ministre défense et ou état major la meyan, yo besoin action nommé yo. Mettez avec mission multinationale soutien sécurité haïtien. Je dis hein, PM Koni clairement dit, li pa gen division avec conseil présidentiel yo. Sauf que li reconnaît il y a un problème communication qui vraiment existait entre la primature et la présidence, mais il y a travail sur ça pour que problème ça soit capable de résoudre. En tout cas, nous là, moi avec Desi Venès, nous présents nous là, comme journaliste, comme directeur d'opinion, nous même, nous pas venir gérer Zebou Moun, nous venir gérer information, nous venir bailler information, nous venir analyser information. Desi, semble c'est pour tout le monde là. Ma prenne ge Calblende Pro Max sim del konsa ba konne non c'est ça oui et qui entre là pour jouer te samedi 6 juillet. La situation semble bagala pa pou jete parce que communauté internationale là depuis un bon bout de temps cap viré tourner dans question vini mission multinationale là de fait nous quoi tout le monde te constaté yo rivé dans pays d'Haïti et kounya question matériel en pile monde t'a posé cette question est-ce que matériel adéquat a venir pour permettre que mission li réellement rentrer en fonction capable de travail parce que dans diverses fois que nous ouais officier kenyan ou dans la rue nous c'est à pied que yo y a fait petit patrouille y a fait petit monter descendre et bien pendant journée ailleurs avec personne gagne 4 blindés qui rentraient en dedans pays a c'est avion militaire américain qui débarquait à Kyo Sutamak aéroport international là machine blindé ça yo c'est MRAP qui rentre en dedans pays c'est MRAP oui MRAP oui, OK qui pratiquement vini qui sans doute c'est des blindés qui vont en pile qui préparé pour faire combat je dis bandi yo pratiquement qu'abrivé dans dernier limite songez les États-Unis, département d'État, te promettent yon ensemble de blindés d'infanterie qui ont été de bail avec la police et la médaille tout doit utiliser yon qui va permettre de faire face avec sac banditisme qui a fait en d'un pays. Exact. Eh ben, pour poursuivre avec dossier mission multinationale là, Kenya déjà gagné un groupe officier qui est dans pays déjà, de retour, premier ministre Gariconi, ou senti qu'elle joigne un pile espoir. Ou senti qu'elle joigne et bon côté communauté internationale là, et mélanger qui montre que pral résout problème qui gagne dans pays qui lié avec question insécurité qui bail en pile problème. En pile fois, gros question à poser qui ça cause la police et journaliste toujours gagne couteau tiré dans activité officielle yo. Et bien la police jodi a on l'autre fois te gagne couteau tiré avec journaliste qui était rentré dans salon diplomatique là pour tal dans point de presse, conférence de presse et rapport que premier ministre Gariconi t'a bail. Bien, il y a un policier qui est en uniforme qui déclare journaliste, pas de problème, c'est eux-mêmes, cap servi gang, tout est dans la capitale
pays. Ça qui pratiquement c'était un gros débat, en pile question à poser, qui ça, policier ou voulez faire, là où on est, collaboration, la police avec journaliste, c'est pratiquement des bagages extraordinaires qui va permettre que le travail arrive fait, puis bien toujours, les personnes. Chrétien qui dans la communauté diaspora haïtienne, yo frappé fort, Blaise Peterson, qui permet gros débat à fait sur les réseaux. D'après Traster, Grégory Toussaint, responsable Tabernacle des Gloires, il y a un système audiovisuel qui est installé dans un nouveau bâtiment, l'église qu'elle gagne, qui coûtait 9 millions de dollars. Sorti dans l'achat terrain, passé dans le plan, arrivé dans la construction, installation technologique, bâtiment qui coûtait 60 millions de dollars. Ça fait gros parler à travers les réseaux. Mounio même dit, fidèle dans l'église, pas qu'à manger, il y a fait don qui a permis 60 millions collectés pour construire l'église. Comme ça, tout le monde dit. Ça, c'est pratiquement un bon pas pour chrétiens haïtiens qui dans la communauté internationale là, qui voyaient un exemple aller, qui montrent si la communauté a voulu mettre tête ensemble, un paquet de bagaille qui a fait dans le pays. Mounio, comme ça, tout si vous mettez ensemble, un paquet de gros bagaille qui a fait en dedans pays d'Haïti, Blaise Peterson. Je dis, Haïti trouve non impasse quand elle besoin toute petite ligue pour mettre main. Ancien sénateur Nenel Kassi demandé à la population pour mobiliser pour porter et supporter par le conseil présidentiel transition à tout gouvernement et pour accompagner nos batailles pour résoudre le problème de sécurité qui gagne en d'un pays. Comment ça va le faire? Qui j'en va le faire? Nous pas connaît. Parce que jusqu'à présent, peuple a dans la noisseur, peuple a trouvé dans une situation qui est très difficile. Il va qui est-ce qu'elle veut faire confiance. Premier ministre Gaï Koni, non, à l'occasion, il montre des dommages pour les gens qui sont victimes dans ce qui passe en dedans pays, dans tout ce brigandage. Il pratiquement dit, il va laisser notre ouais pour réparer les gens et permettre que la justice triomphe pour permettre les bandits, sans foi ni loi, de terroriser les gens, de saccager les pays pour y aller côté, un côté pour machine pas frapper ou bien dans l'opération que la police a menée. Si un bas c'est bas on va jouer, ça c'est le cap qu'on est. Mais il y a une option pour déposer les armes. C'est si vous voulez. Si vous n'avez pas option ça, eh bien, la police avec force multinationale là, la frappe contre les situations. Deuxième, on va ajouter, me dit que, journée dimanche 7 juillet, ça, date ça, qui c'est 7 juillet, hein, li fait exactement 3 années depuis que malfecté en Haïti, m'a dit bagarre la clé, malfecté en Haïti, classe politique traditionnelle, ça, mettez avec oligarque corrompu, hein, TP ou ensemble de mercenaires étrangers, il était assassiné président Jovenel Moïse en dedans chambre la Kaili sous cabane qu'il était couché avec madame ni Martine Moïse. Pas oublié non? Moi dit politicien traditionnel, politicien konzé, politicien et soufkoute, politicien figi plat, politicien esclave mental enchaîné, oligarque corrompu. Et même communauté occidentale, là, te mette avec oligarque corrompu, yo te paye une trentaine mercenaires étrangers pour entrer en dans chambre kay président Jovenel Moïse, yo assassiné. En pile moun arrêté, en pile moun condamné dans dossier assassinat président Jovenel Moïse dans déjà. Et ordonnance nous pas oublier, juge Walter Wessé Voltaire, qu'il te rend, il te voyé. Ancienne première dame nan Martine Moïse, ancien premier ministre à l'époque Claude Joseph, ancien DG la police à l'époque Léon Charles, pour me citer ça ou seulement, a jugé devant tribunal criminel dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Nan. Et yon nan alors, cerveau clé assassinat président Jovenel Moïse, selon DCPJ et la justice haïtienne, c'était Joseph Félix Badiou. Yon te arrêté monsieur nan fin année 2023. Je dis à qui ça passe? Est-ce que Badio, Félix Badio vivant? Qui ça Badio dit? Est-ce que Tkastre Badio à l'étranger? Qui ça a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Non? Bien que nous connaissons, un ensemble de partisans, un ensemble de sympathisants, président Jovenel Moïse, ils continuent à demander justice pour président Jovenel Moïse, c'est qu'à et militaire politique Rosemont Jean, qui lui-même t'est organisé à travers Fronop, une messe de requiem en mémoire du président Jovenel Moïse dans l'église catholique Christ-Roi.
Et il était clairement dit que dans la soirée vendredi et samedi 6 juillet, hein, environ 6-7 heures après-midi dans la soirée, il a organisé pendant un petit temps une veille patriotique. Et le dimanche qui c'est 7 juillet, hein, il a organisé de mouvements. Il a sorti devant le président pour arriver devant Binu. Il a sorti d'Elma 33 pour arriver devant Binu dans Pétionville pour encore envoyer un message ben, international, hein, puisque il dit clairement que la mort président Jovenel Moïse pas à planifier. Et mais là, dans City aux États-Unis, pour que les États-Unis acceptent que des mercenaires arrangés avec des oligarques corrompus pour entrer à tout le président Jovenel Moïse. Il y a plus de monde qui suspecte dans le président Jovenel Moïse. Non. Et veillez, l'équipement a tout fait. L'équipement a camoquin. L'équipement a assassin. Qui prend un cadavre dans le cadavre président Jovenel Moïse non, pour faire campagne électorale. Veillez, parce qu'il y a pile là pour le servir de cadavre président Jovenel Moïse non, pour demander que pour faire capital politique les pour gagner élection. Si y a une élection, comme pas connait si a fait vraiment. Pas connait si et koni a fait vraiment, pas connait. Mais en tout cas nous là, ça qui la kawel. Même qu'on est grand pile, zami k'ap gade émission ça. Même les qui ont terrain mais pas très mais Jovenel Moïse, même qu'on est grand pile monde qui suivent émission ça, qui ces deux monde qui condamné la mort Jean que président Jovenel Moïse assassiné hein, et qui toujours demandé justice pour Jovenel Moïse. Nan moment ça désigne émission ça. Ou même qui passe pour demander justice pour président Jovenel Moïse, écrit dans commentaire ça. Justice pour Jovenel Moïse. Justice pour président Jovenel Moïse. Bien que nous connaissons une somme de 500 millions, mais 5 millions de dollars, je ne sais pas trop. Et avec Martin, j'ai une portion, Jovenel, j'ai une portion, on va faire comme ça. En tout cas, Peba ici a dit Jovenel Moïse parce qu'il était engagé pour le faire un petit reste là. Oligat corrompu, machin pays, machin blackout yo, et ne kite kembe, et anti, et statu quo, ne kite alimenté pays lok yo, jodi à côté yo, yo fin arrangé yo, yo assassiné président Jovenel Moïse, yo kite pays yo, yo kite jungle, yo kite l'enfer pour nous en Haïti. Ben politicien imbécile, ben politicien soufflant chou, parce que jodi yo, nous te dit, si nous avons Jovenel Moïse aller dans mouri yo, mais Jovenel tellement aller le mouri même. Est-ce que ça a changé? Non, ça va me changer. Et je dis à ces mêmes moun sa yo, kap ouve même bouche yo, kap di eh si, kap di sa, kap di se, kap di sa. Mais non, nous dégèlons pour nous détruire Jovenel. Et mais pas le moun qui nous a fait. En sérieux. Désir, et nous allons venir avec, nous sommes tous les mots sur Jovenel. Ben, Blaise, l'important pour le gouvernement qui l'a, gouvernement de transition, hein, ta l'ouvre porte dans ensemble de discussions, dans ensemble de engagements qui vous avez été, dans ça qui vient pour avec justice. Pour le président Jovenel Moïse, qui mourit lâchement, assassiné, la Kaili, et en plus le monde a dit son complot, qui sortit au sein de Jovenel Moïse, qui était livré, l'un songé Dimitri Hera, et qui était pratiquement dans le cordon de sécurité Jovenel Moïse, qui était dans la prison, et beaucoup n'y a bénéficié grâce que bandits ont fait dans la pénitentiaire nationale. Il va quitter Baïsa, impuni, il faut qu'on va faire la donne pour n'être avec femme qui est corps dans le pays. Qui a contact avec la communauté internationale là, pour ne pas comprendre que vous capturez n'importe président qui est élu dans le pays à mosquée dans le moment que vous avez indifférence contre lui, la situation. L'éclair des Ivenes qui est venu avec PM et PM Gary Koni, nous prenons venir avec Lila dans la déclaration qu'il fait pendant que l'ICA s'est retourné dans le pays et l'I parlait, il va présenter bilan. Bilan voyage li, et nous venons avec PM Kouni. Avec première séquence ça, parce que pas de l'autre séquence pour qu'on soit capable de faire débat sur des Ivenes. En dehors de PM Kouni, et bien, nous tendons, sur aspect question sécurité, hein, et après ça, nous allons regarder l'autre point qu'il a touché. Nous allons venir avec PM Kouni. Je peux réfléchir à comment je peux peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, la question sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, c'est une priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça, c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caille.
il faut absolument que moun yo capable retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que moun yo capable circuler dans le pays ya, sans que sauter. Absolument sans que sauter, monter, descendre, que coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que moun ki victime yo, faut que yo joigne justice et réparation. Il faut que yo joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis me venir et tout ça me fait jodi a incluant le voyage et tout ça me va le faire dans les prochains mois, diamond clair. C'est autour de quatre priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour premier contingent venir. N'a travaille avec la police pour nous renforcer. N'a travaille avec la justice pour la justice présente. N'a travaille avec partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons task force entre la police